Salut les potos! Ah, je vous retrouve pour un petit glitch là. Bon, n'oubliez pas qu'il y a toujours le glitch solo, hein. C'est vraiment pour vous le poster, parce qu'il y en a qui risquent de pas arriver sur le glitch solo. Là, vous pouvez le faire à deux et il est assez simple. Voilà, c'est un glitch de Brontango. Dédicace à lui, big up, il est là. Donc c'est à peu près pareil que le bunker, sauf qu'on va faire une manip différente. Donc il vous faudra un bureau de PDG. Il vous faudra le trafic de véhicules, vous savez là, où on a l'entrepôt. Donc vous allez pouvoir acheter. Je sais qu'il y a deux entrepôts qui fonctionnent. Les autres, je pourrais pas vous dire. D'accord? Il faudra que vraiment vous ayez le rond bleu à côté, que vous pouvez vous mettre dessus. Faites des essais. Parce qu'il y a des ronds bleus qui sont sur les escaliers. Ça va être compliqué. Donc moi, je vous conseille celui-là, d'entrepôt, et celui-là. Voilà. Donc celui-là, c'est sûr, vous avez le rond bleu au sol. Profitez-en. Donc une fois que vous avez cet entrepôt là, il faudra prendre le camion mobile, mettre une RH8 à l'intérieur. D'accord? Donc le système il va être le même, on va se mettre en OTR, on va se mettre en invisibilité, et ensuite on va recommander le camion mobile et on mettra la voiture dedans. Les potos, si vous avez, pouvez pas vous acheter tout ça, les entrepôts et tout, je vous mets une playlist des braquages illimités. Faites des braquages. En pas longtemps, vous pouvez avoir l'argent suffisant pour faire tous les glitches que je vous présente. Voilà. Ça sert à rien de dire j'arrive pas. Si vous jouez pas souvent, peu importe. Vous faites une petite équipe d'amis et vous faites vos braquages de temps en temps avec quatre braquages chacun, là. Vous faites, les millions qu'il vous faut. Voilà. Donc les gars, vous prenez une RH8 ou une Karine Rebelle. Vous commandez votre camion. Et on va aller à l'entrepôt de véhicules. En tout cas, vérifiez sur mon YouTube. Là, j'ai la vidéo de glitch solo. Bon, au moins, vous avez besoin de personne. Et au lieu de bloquer votre collègue dans la mission, ben, ça vous permet de faire tous les deux, si vous avez un collègue qui veut faire le glitch aussi, de faire le glitch en même temps. Donc il fonctionne. Donc aujourd'hui aussi, vérifiez, vous avez eu un nouveau petit véhicule là. C'est le Night Shark. Donc c'est un véhicule blindé. Vous l'aurez dans Securoserve. Je vous fais une petite vidéo sur ça parce que je l'ai transformée et tout et je la trouve vraiment bien. Donc elle accélère vraiment bien. Bonne voiture. Donc je la présente, je l'ai faite jolie. Et vous pouvez voir ça si vous ne l'avez pas encore achetée. Franchement, je vous motive à l'acheter. Elle vaut le coup. Allez, là, je vais me retrouver à l'entrepôt. Donc je vais vous expliquer. Vous allez avoir besoin d'un ami. Et lui, il va se mettre juste dans une mission de titan. D'accord? Dès qu'il est dans le menu, il va se rester dans le menu, il va vous dire c'est OK. Et nous, on va arriver jusqu'au message. Ça veut dire on va rejoindre une session, on aura un message. Dès qu'on aura notre message, notre ami il va quitter la mission et nous, on acceptera tous les messages. Voilà. C'est pas plus dur avec votre ami. Le plus dur sera la synchronisation entre le camion, le rond bleu du garage. Ça sera ça le plus compliqué. Mais bon, une fois que vous le réussissez, ça marche à tous les coups, quoi. Il n'est pas évident, mais bon, moi, franchement, je vous le conseille pas. Je vous le présente qui croient que le marche plus. Mais faites le glitch solo, il est plus facile. Voilà, vous perdez moins de temps. Vous voyez là, ramenez le camion. À chaque fois, vous aurez ramené le camion, avoir un ami. Voilà, ce glitch, franchement, il est inutile en ce moment. Pour ceux qui aiment les glitches, vous le faire en test, mais ça sert à rien. Une fois que vous avez votre camion mobile, vous avez un bunker avec, voilà, faites-le au bunker, apparition au bunker, vous serez de suite prêt pour enchaîner les duplications. Donc là, j'ai mis mon véhicule à l'intérieur d'origine. Je vais mon camion, le cul du camion, vous savez, il y a un rond bleu au cul du camion. Je vais le placer quasiment un sur l'autre, quoi.
à peine qu'il soit vraiment très près, d'accord? Vous avez presque même pas le passage d'un bonhomme. Ah. Là, j'ai dit à mon ami, vas-y poto, va dans la mission Titan. Donc c'est une mission créée par Rockstar. Vous pouvez faire n'importe quelle mission, hein, peu importe. Donc lui, là, il va aller dans la mission. Moi, je vais faire un test avec cette position-là. Donc on le saura de suite si ça marche, hein. Il vous faudra pas voir l'intérieur de votre garage avant d'avoir accepté les messages. Donc ça veut dire vous avez bien fait bugger les écrans et ça aurait marché. Donc là, écran noir, je fais PS, je vais dans chat party, rejoindre, session. Dès que j'ai le premier message, bon, là vous voyez, ça n'a pas marché. Donc là, vous refusez. Ça n'a pas marché, on doit pas ici. Donc là, mon camion, il est mal placé. Je vais quand même écarter les ronds bleus. Je les avais mis un peu trop près. En tout cas, je tiens à préciser que Brontango, il avait sorti le glitch du camion. Hein, et lui, il se saoulait à l'alcool. Ok. Donc nous, on avait trouvé pour aller avec Lester pour aller directement au garage. Voilà. Donc si vous, ça marche pas avec Lester, vous pouvez vous faire inviter à l'appartement. Donc là, vous voyez, bim, j'ai couru, écran noir, je fais rejoindre partie. Là, j'ai ce message, je dis à mon ami, quitte, quitte la mission de Titan. Dès qu'il a quitté, vous allez accepter ses messages. Bam. Et bam. Donc là, ça a fonctionné. D'accord? On n'a pas vu le camion, c'est pas vu à l'intérieur. Là, je suis en OTR, je suis en invisibilité. Je sors mon téléphone, je sors le braquage. Là, ça va m'amener au braquage. Donc après, vous pouvez vous saouler, vous pouvez rejoindre un pote en visée différente. D'accord? Vous avez plusieurs choix, hein. Là, je vais aller chercher le véhicule que je vais dupliquer. Donc, vous pouvez aller dans n'importe quel garage. Je m'excuse, la visée différente, ça marchera pas pour lui, hein. Ça servira à rien. Donc, vous pouvez juste vous faire inviter à un appartement, sortez Lester ou alcool. Donc, vous buvez des bières jusqu'à tomber KO et vous finirez à l'hôpital. Mais l'hôpital, c'est loin de l'appartement, hein. Je vous le conseille pas. Voilà. Logiquement, avec Lester, ça marche. Pour avoir Lester, c'est simple, vous lancez le braquage et vous finissez au moins une préparation. Donc là, je vais chercher la voiture que je veux dupliquer. Même manip que dans le solo. Je vais sortir du garage en accélérant et dehors, je n'accélère plus. Parce que sinon, je vais rester buggé. Donc je sors du garage. Ensuite, j'ouvre mon menu. Donc j'appuie sur le gros pavé tactile. J'appuie sur le gros menu, je fais appeler mon. Donc là, je peux pas l'appeler, je le renvoie. Vous renvoyez votre camion mobile. Et ensuite, vous le rappelez. Donc vous voyez, la cinématique, elle est bonne, elle me fait déplacer. Peu importe où vous atterrirez, vous faites la même manip, c'est bon. Donc là, vous faites pareil. Pavé tactile. Vous appelez votre camion mobile, dès qu'il apparaisse. Et vous êtes bon. Voilà, vous aurez fait une duplication. Bon, les potos, je vous mets le glitch solo aussi dans la description. Donc, je vais vous mettre le braquage pour d'argent et le glitch solo dans la description. Voilà, qui sera beaucoup plus facile. Et vous commencez à l'infini. Voilà. Donc, après, si vous voulez tester celui-là, go, go, go. Abonnez-vous, les potos. Compte sur vous. Parlez de Fouet 1034. Ça fait toujours plaisir. Voilà, on a besoin, plus on est de monde, mieux c'est. Plus on sera visible quand on sortira des glitches. Voilà.
que je sais qu'il y en a pas mal en préparation. Donc vous inquiétez pas. Ceux qui n'ont pas réussi à faire le glitch, il y en aura d'autres. Et voilà. Donc j'espère que tout le monde sera content. Voilà les potos, j'ai plus qu'à mettre ce véhicule dans le camion et il sera dupliqué. Donc même si vous verrez pas la cinématique dans le bunker, c'est pas grave, ça marche. Vous pourrez vérifier. Donc là, il croit que je suis avec la RH8 de tout à l'heure que j'ai mis à l'intérieur. Je conseille aussi de mettre le véhicule, vous avez eu la RH8, de la mettre vraiment au moment où vous allez commencer le glitch. Parce que ça voudra dire que vous roulez avec et que c'est votre véhicule personnel du moment. D'accord? Donc celle-là sera prise en compte au dernier moment. Vous mettez le véhicule dans le camion, vous allez à l'emplacement dans l'entrepôt et vous faites le glitch. Et pour le glitch solo, c'est pareil. Mettez-la vraiment au dernier moment. Donc vous voyez, on n'a pas eu la cinématique dans le bunker, mais ça a fonctionné. J'ai ma duplication. Vous pouvez, tout est ok, j'ai plus qu'à enchaîner. Voilà. Gros big, bis à tout le monde. Et encore merci parce que c'est un petit glitch qui fait partie du sien. Voilà. C'est à peu près la même technique. On a juste fait quelques changements, mais voilà. Au top. Au top, le José. Bon, ce bis tout le monde. À bientôt.